mon jeune frère et soeur. Vraiment, cette histoire, c'est une histoire qui donne froid dans le dos. Vraiment. Mais il faut que je vous la raconte afin que vous puissiez faire très attention à vos décisions dans la vie. Vous voyez cette jeune fille qui est là. En fait, cette jeune femme. La jeune femme qui est là dit que elle ne va plus jamais se remarier de sa vie. Oui. Elle dit qu'elle ne va plus jamais se remarier. Pourquoi? Selon vous, à cause de quoi? Vraiment, ce monde est rempli de gens qui ne méritent pas d'être ici. Je vous assure. Écoutez son histoire. Selon l'information que j'ai reçue, on nous dit que la fille, elle est tombée enceinte d'un gars alors qu'elle avait 17 ans. Elle était en classe de 5e. Et à cause de la grossesse, elle n'a pas pu continuer les études. Et l'homme qui l'a engrossée a refusé de reconnaître l'enfant. Il dit qu'il ne veut pas entendre parler de ça et l'a chassé. Voici comment elle s'est retrouvée seule avec un fils. Et quelques temps plus tard, elle va faire la rencontre d'une autre personne. Elle va dire à la personne, oh écoute, j'ai un enfant, j'ai un fils. La personne va dire, non, il n'y a pas de problème. Tu sais, les enfants, c'est la bénédiction de Dieu. Si tu as un fils, c'est bien. Moi, j'ai deux enfants déjà que j'ai eu avec mon ex. Et qu'ils viennent, on va vivre ensemble. En fait, je vais te marier. Ouais, non. La fille s'est dit que, ah, voici maintenant j'ai 20 ans et j'ai un fils. Un homme dit qu'il veut me marier. Et même, il a décidé de s'occuper de mon fils. Ok, c'est une bonne affaire. Ensuite, comment elle s'est lancée dans un tel mariage sans savoir ce qu'il attendait. Elle est rentrée dans ce mariage, tout allait bien jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Elle dit, le monsieur l'a mise enceinte. Là, elle est tombée enceinte, non? Oui. Quand elle est tombée enceinte, le monsieur lui a dit, écoute, vraiment, ramène ton fils chez son papa. Parce que moi, je ne pourrais plus m'occuper de lui. La fille aussi, elle a dit, bon, ok. Elle appelle le père à l'enfant. Elle dit, vraiment, viens chercher ton enfant. Le père dit que, ah, depuis très longtemps, je t'ai dit que je ne voulais pas entendre parler de ça. Je ne voulais plus entendre parler de ça. Pourquoi tu me parles? Ça, je n'ai plus ma main dedans. J'allais ma main dedans. Ah, finalement, la jeune femme se retrouve seule avec son fils. Elle ne sait pas comment gérer ça. C'est devenu un problème à la maison entre elle et le monsieur. Et voici que, un jour, l'enfant, par erreur, va faire tomber la télévision et tout saccager. C'est-à-dire ça. Vraiment, la télévision va se briser. Et le monsieur va arriver et va trouver ça. Automatiquement, il va se mettre dans une colère terrible. Il va dire à la femme, il va dire à la jeune femme, hey, toi là, je t'avais dit de ramener l'enfant chez son papa, non? Il va se mettre dans une colère terrible et il va se mettre à frapper la femme. Frapper la jeune femme. Frapper vraiment. Et voici comment il a frappé la femme cette nuit-là. Et il lui dit en plus, tu vas me, vous allez me rembourser l'argent de la télé. Vous allez acheter ma nouvelle télé pour positionner ici. Et dans sa colère, il a frappé jusqu'au point où il a pris quelque chose et il a arraché une main. Jésus. À cause de ça, là, elle se retrouve à l'hôpital. Hein? Et c'est à l'hôpital là qu'elle s'est retrouvée
et elle a décidé de donner un conseil aux femmes. Elle dit souvent, arrêtez d'écouter vos pasteurs qui vous disent, ça va aller, Dieu va faire, tu ne peux pas quitter le mariage, il faut supporter, alors que vous souffrez dedans. Ah, vous pouvez y laisser votre vie si vous ne faites pas attention. Elle, c'était ce qu'on lui disait. Mais regardez, elle a perdu une main. Seigneur Jésus-Christ. Elle a regardé cette situation et elle a dit, selon l'information que j'ai reçue, bien sûr, elle a dit qu'elle a dit qu'elle ne va plus jamais se remarier. Elle ne va plus jamais se remarier. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, voici la raison pour laquelle moi, je ne me presse pas pour ce genre de choses, le mariage. Je ne me presse pas pour ça. Je vais prendre tout mon temps. Si je n'ai pas trouvé la fille, je ne me marie pas tranquille. Je vis ma vie tranquillement, je réalise mes grands projets, j'avance dans la vie. Il est préférable de marcher seul au lieu de marcher avec quelqu'un qui va vous couper une main. Je vous l'assure. La paix là, ça n'a pas de prix. Quand on se marie là, on se marie avec un esprit, hein. Vous devez savoir quel esprit habite une personne. Si vous ne savez pas, je vais vous dire rapidement. Il y a deux esprits qui peuvent habiter quelqu'un. Soit c'est le Saint-Esprit qui est en cette personne, ou bien c'est l'esprit du mal. Mais vous ne verrez pas cela facilement. Mais bien entendu, Dieu va vous permettre de voir cela si vous êtes vigilant et que vous observez bien les conduites des gens, les œuvres des gens, leur manière de se comporter en un mot. C'est-à-dire, par la manière dont une personne se comporte, vous pouvez savoir si cette personne est du diable ou est de Dieu. Si cette personne-là est du diable, même si elle est belle, même si elle vous offre tout, méfiez-vous de cette personne. Méfiez-vous de cette personne. Ce matin, j'ai commencé par faire une vidéo qui s'intitule Voici qui sont vos ennemis à jamais. Et je vous ai dit qu'il y a les deux mots sous forme humaine. J'ai des gens qui sont nés d'un père démon. Alors le père a un démon qui a pris la forme humaine pour venir avoir un enfant avec une femme ici. Ouais, non. Et ce genre de personnes, ça existe. Ce sont les gens des personnes qui n'ont pas pitié, qui n'ont pas peur, qui sont sans cœur. Ce sont des personnes sans cœur qui peuvent même découper leur femme en morceaux, en 1000 morceaux. C'est déjà arrivé, je vous parle de quelque chose, c'est déjà arrivé. C'est pourquoi je vous dis, ne vous fiez plus aux apparences. Si vous voulez épouser une fille, ou si vous voulez épouser une personne, allez jusqu'au fin fond, voyez leur comportement et priez que Dieu vous montre le vrai visage de la personne que vous voulez épouser là, en songe ou par divers moyens. Tout ça là, c'est pour vous permettre d'éviter ce genre de trucs, ce genre de situation, ce genre de désagrément. Le diable aime décevoir les gens. Le diable aime tromper les gens. Mais le mauvais esprit qu'il a en lui va jamais vous tromper. Si Dieu vous montre en songe que la personne avec qui vous voulez vous mettre là, c'est une mauvaise personne, allez fouiller en bas, au fin fond, pour chercher à savoir pourquoi Dieu vous a montré ça. Parce que quand Dieu vous dit que quand Dieu vous dit qu'il va pleuvoir, quand Dieu vous dit par exemple qu'il va pleuvoir à 9 heures, à 9 heures quand vous allez sortir,
Vous allez regarder pour voir si vraiment ce que Dieu a dit là, c'est ce qui est en train de se passer. S'il ne pleut pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. S'il pleut, c'est que, ah, ok, c'est Dieu qui a parlé, donc il a donc dit la vérité. C'est-à-dire que ce que Dieu vous montre en songe là, physiquement, vous allez aussi voir les signes. Méfiez-vous des êtres humains. Nous sommes dans les derniers temps. Et les démons sont nombreux ici, sur la terre. Et ils sont là pour faire du mal aux gens. Maintenant, regardez là. Elle dit qu'elle ne veut plus jamais se remarier de sa vie. Maintenant, et moi? Et moi qui me suis jamais marié là, qu'est-ce que je dis maintenant? Moi, je ne me suis jamais marié, mais j'ai connu des relations. Des relations avec les filles. Et aujourd'hui, je sais que j'étais avec beaucoup de filles sorcières. J'ai même couché avec des filles sorcières. Seigneur, pardonne-moi et délivre-moi. J'ai eu des rapports sexuels avec des filles sorcières. Je suis même choqué aujourd'hui parce que je vois. Mais avant, je ne voyais rien. Comme quoi, les gens connaissent Dieu, mais ils ne voient rien. Elle dit, tu ne peux pas voir que la personne qui est à côté de toi a un esprit de la sorcellerie et que cette personne est du diable. Vous voyez, quelles complications ça apporte dans votre vie. C'est pourquoi Dieu se rebond les nez aussi, afin de vous permettre de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à son histoire. Vraiment, parce que moi, vraiment, je suis découragé, hein, honnêtement. Couper, frapper une femme, jusqu'à même prendre quelque chose pour lui couper une main. Non, c'est trop. C'est trop. Tu veux donner un deuxième chien de haut?